Salut à toi! Alors aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de rouler. Oui, parce que tout l'été, on a parlé de roues, mais à un moment, faut s'en servir, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et alors, j'ai regardé un itinéraire sur Wikiloc qui pouvait me plaire. Je l'ai pris, je l'ai au poignet et hop, je me suis lancé. Aujourd'hui, il devait faire ni trop froid, ni trop chaud. Bon, il devait faire un peu beau. Et ouh! Et pour le moment, bah... c'est de la pluie qui est en train de m'accompagner, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a la banane. Aujourd'hui, c'est uniquement à propos du bonheur de rouler. Alors, reste avec moi et c'est parti! Il est où le train? Oui, alors, monsieur Météo, il s'est définitivement trompé. Hein. Il me pleut dessus depuis... Bon, c'est de la pluie légère. Et puis là-bas, si je regardais bien, c'est découvert. Donc ça... On va vers le mieux. En général, tu sais, c'est à la fin, là, quand je suis épuisé, que j'ai plus de batterie, que je me retrouve sous la pluie. Voilà, c'est l'inverse. Hihi. C'est vrai que ça fait du bien de rouler. Hein. Et alors, c'est vrai que le paysage, il n'est pas toujours exceptionnel. Mais par contre, regarde sur quoi je suis en train de rouler, là. Et c'est quand même assez souvent que tu es accompagné par des pistes cyclables comme ça. Je dois dire que, pour le coup, ça fait plaisir. Bon, et voilà le soleil au meilleur moment, là, dans la forêt. Regarde comme c'est beau dans les fougères, là. En plus, il y a un petit relent d'automne là qui commence à arriver. Waouh, on est bien là. Là, on est bien là. Il y a quand même un usage, une case qu'on n'a pas dans la mobilité, c'est le pas trop loin de chez soi. C'est vrai que j'étais, il y a des endroits proches de Paris où j'avais jamais été. Et très proche de Paris, tu vois, la forêt de Meudon, la forêt de Clamart, des endroits comme ça, j'avais jamais été. Et grâce à la roue, ça a rapproché ces distances-là. Et tu vois, cette forêt-là, je serais jamais venu de ma vie, je pense, dans cette forêt-là, si ça n'avait pas été pour la roue électrique, la forêt de Sénart. Cela dit, peut-être que j'ai quitté la forêt de Sénart et que je suis dans une autre forêt. On ne sait pas. Mais tu vois, ces paysages-là, et plein d'autres que j'ai découverts grâce à la roue, eh ben c'est vraiment, je peux le dire, grâce à la pratique de la roue que je le dois. Où tu pars le matin de ton chez-toi, de ton immeuble, de ton environnement tout gris, et pour le coup, c'est vrai que toute la banlieue parisienne ce matin a été bien grise et il m'a plu dessus, et tu arrives là, et c'est le paradis, quoi. Et encore, là, ça fait que commencer. J'ai fait 40 km sur les 120 que je dois faire dans la journée. Regarde, voilà les champs, je te disais, on est à la campagne. Voilà les champs à gauche, voilà les champs à droite, quoi. Alors que ce matin, encore une fois, j'étais en pleine ville et bon, c'était la ville. Mais voilà. C'est pour ça que... Alors, la parenthèse est très longue. Tu me le pardonneras ou pas. Regarde là-haut les bus, là. Mais il me semble que ça valait, cette parenthèse-là. Et je pense même que... Je pourrais arrêter cette vidéo-là parce que j'ai dit ce que je voulais dire, je t'ai même montré ce que je voulais te montrer. C'est ça la roue, quoi. C'est que ça t'ouvre des horizons qui t'embarquent très loin et pour le temps, t'es vraiment à deux pas de chez toi. Voilà. Allez, je conclue là et puis s'il faut, ben, je reprendrai le flambeau. Allez! Quel pied! Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, quel pied! Regarde, je suis tout seul, quoi. Alors j'imagine que si tu viens là le dimanche, justement, c'est blindé de gens qui ont l'habitude de venir là. Mais toi, non. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de reconnaître ici. Je suis persuadé d'être venu là pour un test.
Mais sauf que quand j'y pense, j'ai l'impression qu'ils étaient partis dans l'autre sens. Bref, parfois il y a des trucs qui se ressemblent. Je te confirme que je suis persuadé que j'ai déjà fait ce trajet. Mais dans l'autre sens et avec la commandeur. Et on s'approche d'un petit ruisseau, je suis persuadé. Et je pourrais presque me souvenir de ce que j'avais dit sur la commandeur au moment où j'étais passé là. Ouais, vraiment. Waouh, regarde la cigogne. Il est où le bébé? Mais tu vois, j'avais jamais vu une cigogne de ma vie. Vrai de vrai. Ouh là là, il va falloir que je traverse cette route là. Ça va être sympa. Comment je fais? Ah, il y a un créneau. Ah non, ça se libère pas. Et c'est vrai que nous, quand on traverse ces zones-là, je dis nous, les Parisiens, quand on traverse ces zones-là, en général, c'est soit pour partir, soit pour rentrer. Et on passe par les grandes routes, les nationales ou les autoroutes. Et on n'a jamais l'occasion. Regarde les chevaux là-bas, waouh! On n'a jamais vraiment l'occasion de se perdre dans cette Île-de-France là. Regarde les chevaux là. Franchement, c'est un autre plaisir. Et alors, en Île-de-France, on a ce plaisir-là, les champs, les chevaux. Mais ailleurs, c'est forcément différent. Voilà, bon, cela dit, j'avance, j'ai fait 60 km depuis que je suis parti et il va falloir que je commence, je suis à 50% de batterie, à 88 volts, il va falloir que je commence à réfléchir à charger, là. Et pendant que la roue est en train de charger, laisse-moi en profiter pour faire une petite parenthèse sur, justement, ce chargeur rapide qui m'a été envoyé pour, justement, pouvoir faire ce genre de road trip sans avoir peur de me retrouver en rade sur le bord de la route pour cause d'avoir trop roulé. On a ici un chargeur dont je te mets toutes les informations en description, un chargeur universel capable de charger les roues de 60 volts à 150 volts à une vitesse variable pouvant monter jusqu'à 18 ampères. 18 ampères! Derrière, il y a une toute petite vis qui permet de changer la tension. Et devant, une molette très précise qui permet de changer l'intensité. Et pour pouvoir charger toutes les roues avec ce seul chargeur-là, il est livré avec tous les adaptateurs dont aurait besoin. Et franchement, pour les road trips un peu spéciaux, et sur les roues qu'il accepte, il faut bien dire que pouvoir charger si vite, c'est un vrai luxe. Un luxe qui d'ailleurs a un certain prix. 350 € affichés et aussi un certain poids, autour de 2 kg à transporter. Mais sinon... Quel pied! S'arrêter comme ça, une heure pour manger, et repartir avec la roue quasiment chargée, au complet. Voilà, la roue a bien rechargé, moi entre-temps j'ai bien mangé, on a retrouvé le chemin des prés, on peut se remettre sur la route quoi. Et puis en vrai, c'est déjà le chemin du retour. J'ai fait 80 km, il en reste 40. Oh, ça va être rapide en vérité. Regarde là-bas, il y a une biche. Pareil, j'ai jamais vu une biche de ma vie. Enfin, la première fois, c'était cet été, pour te dire la vérité. Mais là, en région parisienne, j'en ai jamais vu. Elle me regarde, je la regarde, elle me regarde. Ces randonnées, il y a aussi quand même un côté un peu, non pas méditatif, mais un peu quand même contemplatif. Ouais, on est dans nos pensées, on peut regarder de tous les côtés. Aujourd'hui, j'ai été gâté, la cigogne, la biche. Oui, pour beaucoup, c'est le béaba, mais pour moi, pas, tu vois. Et ben, ça me fait sortir de mes réflexions, ça me fait sortir de ce que je connais, quoi. Eh ben, ouais, ça participe au fait que, bah, la roue électrique, pour certains, c'est devenu un truc dont ils peuvent plus se passer. Et nous voilà sur les bords de Marne, les bords de Marne qu'on connaît bien, cela dit. Encore une fois, sans la roue électrique, j'aurais eu aucune raison de venir ici. Et pourtant, ici, pour le coup, c'est une route que j'ai prise, reprise et re-reprise. Tiens, on va essayer de prendre à droite. D'habitude, je prends à gauche.
Et au final, aujourd'hui, j'aurais fait 120 km à peu près. Donc voilà, 120 km, emballé, c'est pesé. Voilà. Ah, les cyclistes, je te jure. À aucun moment, elle se dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver en face. Je sais pas. Bref, c'est un autre sujet que je suis en train de préparer là-dessus. Un petit teasing, je sais pas quand ça sortira, hein, tu sais. C'est les pistes cyclables du paradis pour cyclistes au cauchemar pour tout le monde. Je te laisse là-dessus. Tiens, bah dis-moi en commentaire si t'as des avis sur le sujet. Ciao.